présentation, mais votre CV universitaire, qui est assez riche. Et donc, ce jury qui est composé par moi-même, par Madame Khattel, donc de l'université de Béjaïa, Madame Boulkbesh, qui est de l'université de Béjaïa, M. Dahmoun Farid, qui est votre collègue à l'université de Bouira, et M. Omar Aoun, qui est votre collègue, mais de Khmis Meliana. Donc, les rapporteurs invités sont M. Moulay Riyad, de l'université de Béjaïa, M. Rizki Farouk, parmi nous, de l'université de Béjaïa, et M. Chiben, qui va arriver tout à l'heure, bien qu'il soit là, donc de l'université de Bouira. Donc, on va vous écouter à peu près entre 30 à 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre vie professionnelle. Et évidemment, on fera un débat après. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres des jurys, honorables assistants, chers collègues, chers amis, bonjour. Permettez-moi de vous présenter mon dossier d'habilitation universitaire que j'ai mis moi-même sous un axe. Parce que même si on m'a dit qu'il n'y a pas de titre pour une habilitation universitaire, mais quand même, j'ai mis, on ne va pas dire que c'est un titre, mais c'est un axe. Donc on va l'insérer dans un axe drug screening. Donc voilà, je vais commencer ma présentation par un plan que je vais suivre. Tout d'abord, je commencerai par présenter mes diplômes et parcours académiques. Ensuite, je prendrai un peu de temps pour mon parcours professionnel, que ce soit le volet pédagogique ou bien les activités d'encadrement. Ensuite, je vais prendre un peu plus de temps pour les activités de recherche, que ce soit en période doctorale ou en période postdoctorale. Ensuite, j'exposerai le bilan et production scientifique et je terminerai par une conclusion et des perspectives. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat sciences de la nature donc en juin 2004 et je me suis inscrit à l'université de Béjaïa. Donc, en parallèle, j'ai refait des bacs que j'ai obtenus 4 fois, 2005, 2006 et 2007, en tant que candidat libre. Donc, au total, j'ai eu 4 bacs. Ensuite, j'ai obtenu ma licence en biochimie appliquée juin 2007, toujours à l'université de Béjaïa. Durant mon parcours de licence, je me suis perfectionné en effectuant différents stages dans différents domaines, que ce soit dans l'agroalimentaire, par exemple, COGB Label, ou bien un laboratoire privé de contrôle de qualité et de conformité, que ce soit dans un domaine médical, par exemple, le secteur sanitaire d'Amizou, même dans le domaine d'écologie, là où j'ai effectué un stage au parc national de Gouraya. Ensuite, j'ai obtenu mon master en biochimie appliquée en juillet 2009 avec mention major de promotion M2. Le titre de mon mémoire était « Effet des alcaloïdes et des huiles de Nigella sativa et Nigella damascena sur l'activité pectatliase de Pectobacterium carotovorum et Pectobacterium atrosopticum ». Comme d'habitude, mon parcours de master aussi, donc j'ai essayé de valoriser mon parcours en effectuant différents stages. Le premier, c'est au niveau de la literie d'Amizour, et le deuxième, c'est au niveau de laboratoire d'enzymologie pour préparer mon mémoire de fin de cycle. Juste après, je me suis inséré directement dans le secteur professionnel, là où j'étais ingénieur de contrôle de qualité dans un laboratoire privé, la Saint-Cyprévolab, pendant une année. Juste après, j'ai eu, la chance d'obtenir, de poursuivre mes études, c'est-à-dire j'ai été sélectionné sur concours sur titre, autant que, bien sûr, parmi les candidats, j'ai été classé premier de la promotion. Donc, j'ai préparé une thèse en co-tutelle entre l'université de Béjaïa et l'université de Montpellier en France, que j'ai soutenue en avril 2014. L'intitulé de la thèse était « Grains de pinus aspect, caractérisation physico-chimique et activité anticancéreuse ». Donc, durant ce parcours de doctoral, j'ai effectué 4 stages au niveau de l'Institut des biomolécules Max Mousseron, École nationale supérieure de chimie de Montpellier en France. En ce qui concerne le parcours professionnel, tout d'abord, après la soutenance de thèse, le volet pédagogique, j'ai déjà directement entamé. Je m'excuse, donc. Euh
Donc j'ai directement entamé ma carrière, soi-disant professionnelle, en tant qu'enseignant vacataire en 2013-2014, où j'ai assuré des TP de microbiologie générale, biologie animale et biologie végétale, ici à l'Université de Wijaya. En 2014, septembre, j'ai été recruté en tant que maître assistant classe B à l'Université de Bouira, où j'ai assuré différents cours, à savoir l'immunologie cellulaire et moléculaire pour les licences biochimie fondamentale, TD d'immuno et TD de génétique en parallèle ici pour les premières années à la faculté de médecine. Les TP de biochimie aussi pour les deuxièmes années, TP de microbio et TD de technique de communication et d'expression pour la première année à Saint-V à l'Université de Bouira. En ce qui concerne l'année 2015-2016, j'ai été promu en tant que maître de conférence classe B, où j'ai assuré avec ce grade des cours de structure et fonction des macromolécules pour les premières années master analyse biologique, cours d'immunologie générale pour les deuxièmes années, cours d'immunologie cellulaire et moléculaire pour les licences biochimie fondamentale et cours d'expérimentation animale pour les premières années master analyse. Au cours de cette année, j'ai touché un petit peu au cours de bioréacteur pour les premières années master biotechnologie microbienne et toujours au cours d'expérimentation animale pour les premières années master biochimie appliquée après l'harmonisation des canevas. Dans ce contexte, j'ai élaboré un polycopier de cours, structure et fonction des macromolécules destinées au master biochimie appliquée que j'ai d'ailleurs inséré dans mon dossier de candidature. Donc, il est subdivisé, comme vous pouvez le voir, en 5 chapitres. Pour les activités d'encadrement, donc j'ai eu l'occasion d'encadrer deux mémoires de fin de cycle et un mémoire, en fait, un projet de Master 1. Donc pour les mémoires de Master 2 fin de cycle ici à l'Université de Béjaïa, pour les spécialités pharmacologie moléculaire et spécialité biochimie appliquée, pour le projet de Master 1 spécialité analyse biologique, donc c'est au niveau de l'Université de Bouira. En ce qui concerne l'encadrement des mini-projets licences, donc j'ai eu l'occasion d'encadrer 11 mini-projet de licence, dont 9 en biochimie fondamentale et 2 en microbiologie. En ce qui concerne cette année, donc, j'ai proposé 4 thématiques de master de fin de cycle, donc elles sont en cours, c'est une continuité des travaux de thèse. Donc pour les activités administratives que j'ai assurées, au cours de l'année 2014-2015, j'ai été responsable de la spécialité master analyse biologique et biochimique au niveau de l'Université de Bouira. Pour 2015 jusqu'à aujourd'hui, je suis actuellement chef de département adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche auprès du département des sciences biologiques. Pour les implications collectives, elles sont nombreuses, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps à lire tout ça, que je vais essayer de résumer. Je suis membre de comité de lecture reviewer, c'est-à-dire dans 2 revues de renommée internationale, Journal of Industrial Crops and Products et Pharmaceutical Biology. Je suis représentant des MCP auprès du Conseil scientifique de l'Université de Bouira. J'ai participé à l'organisation de plusieurs manifestations scientifiques, que ce soit ici à Bijaya ou à l'Université de Bouira, que ce soit des manifestations internationales ou nationales. J'ai été président du club scientifique des sciences de la nature pendant 5 ans, vice-président de la Ligue des activités wilayales pendant 5 ans. Et de toute façon, c'est nombreux, donc je vais passer tout ça parce que les implications collectives, ça ne manque pas. Récompense et formation. Donc, j'ai eu l'occasion de recevoir un certificat d'appréciation par le recteur de l'Université de Bouira en l'occasion de ma promotion en maître de conférence classe B. Certificat de remerciement et d'appréciation délivré par la promotion de biochimie en guise de gratitude. J'ai eu l'occasion de suivre des formations, à savoir le logiciel EndNote à l'Université de Montpellier, formation en bureautique, en langage Pascal et en langage Delphi. Je passerai en parcours scientifique. Les activités de recherche donc sont subdivisées en 2 périodes. Période doctorale allant de février 2010 jusqu'en avril 2014. Étant donné que j'ai déjà mentionné que cette thèse a été réalisée en co-tutelle entre l'Université de Béjaïa et l'Université de Montpellier. Donc les 2 laboratoires, bien évidemment, c'est le laboratoire de biologie végétale et ethnobotanique. La thèse a été dirigée par le docteur Khatel Bachara et le laboratoire de glycochimie et reconnaissance moléculaire dirigé par le professeur Montero Jean-Louis. En ce qui concerne la période postdoctorale, depuis avril 2014, j'ai rejoint le laboratoire de recherche biomathématique, biophysique, biochimie et scientométrie dirigé par le professeur Madani Roder.
Donc, je vais m'axer pour l'exposition des résultats ou bien de la partie recherche sur deux axes principaux. Le premier, ça concerne la caractérisation des matrices végétales, que ce soit matrice terrestre que j'ai fait durant la période doctorale, ou bien une matrice aquatique que j'ai eu l'occasion d'étudier en période post-doctorale. Ensuite, on passera au deuxième volet qui est la valorisation biologique de ces matrices végétales, donc que ce soit activité anticancéreuse des fractions lipidiques des grains de pinus réalisées en période doctorale, activité antioxydant des extraits de cette algue qui est Cystostera barbata ou bien de citrus et de ficus réalisées en période postdoctorale, inhibition de brunissement enzymatique par les feuilles de citrus aussi en période postdoctorale, et la même chose pour les activités épolipidémiantes des extraits de rameaux et de feuilles de ficus carica en hyperlipidémie expérimentale. En ce qui concerne le premier volet qui est la caractérisation des matrices végétales, donc je ne vais pas trop m'étaler sur la période doctorale parce que la majorité ont déjà vu, en plus j'ai déjà exposé ça, je vais juste résumer par points. Le premier point, consacré sur la valorisation nutritionnelle des poudres de graines et de leur huile. Pour cela, plusieurs techniques ont été utilisées, à savoir l'infrarouge, la DRX, la GCMS, la HPLC, la CMS, etc. Le deuxième point, c'est l'analyse de ces fractions lipidiques, principalement polaires, à savoir glycolipides et phospholipides par LCMS. Ensuite, on va passer à l'encapsulation des fractions polaires par la bêta-cyclodextrine et analyse du composé par RMN. Enfin, nous avons terminé par l'étude de l'activité antiproliférative et anti-angiogénique de ces composés polaires encapsulés. Ces travaux de thèse ont été valorisés par trois publications de renommée internationale, une en food chemistry et deux en industrial crops and products. Je passe après en période postdoctorale. La matrice choisie était une matrice aquatique, l'algue brune, Cystostera barbata, déjà parce qu'elle est disponible sur la périphérie, sur le relief méditerranéen. Il n'y avait pas trop d'études sur elle. Spécialement, on est sorti un petit peu de l'ordinaire, à savoir les polyphénols ou bien les flavonoïdes, etc. On s'est axé principalement sur les polysaccharides. Les polysaccharides, d'ailleurs, qui sont utilisés trop en pharmaceutique, c'est-à-dire à titre d'exemple, l'acide hyaluronique, sont aussi utilisés comme additifs alimentaires en alimentation, etc. Donc, avant de parler sur les polysaccharides, il faut tout d'abord extraire ces polysaccharides, que j'appellerai moi-même des fucanes sulfatées, parce que vous allez voir qu'elles sont riches en fucose. C'est pour ça qu'on les appelle des fucanes sulfatées. Donc, quand je dirais des fucanes sulfatées, c'est des polysaccharides sulfatées parce qu'elles sont riches. On commencera par la délipidation, bien évidemment, donc du chloroforme, 300 ml, en présence d'acétone méthanol. Ensuite, la poudre sèche et délipidée a été centrifugée, dans, bien sûr, en présence d'acide à 5000 RPM pendant 10 minutes. Ensuite, un litre de surnageant a été concentré et précipité dans l'éthanol et recentrifugé une autre fois à 8000 RPM. Le kilo est dissous dans l'eau, dialysé, lyophilisé, donc on obtient les polysaccharides sulfatés. Ces polysaccharides ont été analysés, bien évidemment, pour déterminer la composition en différents éléments, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote et le soufre. La technique utilisée était la spectrométrie de masse à plasma induit. Donc, le contenu de sulfate a été induit, a été déduit de la teneur en soufre qui a été déjà réalisée. Donc, la teneur en protéines a été estimée à partir de la quantité d'azote déterminée. Ensuite, les acides uroniques ont été déterminés selon la méthode calorimétrique en utilisant l'acide galacturonique comme standard. Les sucres neutres, qui sont très importants dans cette étude, sont mesurés par la méthode calorimétrique à l'entrant. Enfin, les rotations optiques ont été mesurées avec un polarimètre numérique. Ce qui est important ici, c'est les groupements sulfates. Les groupements sulfates parce que les propriétés biologiques de ces fucanes sulfatées dépendent essentiellement du groupement sulfate, c'est-à-dire la densité des groupements sulfates et leur position. Tout d'abord, on doit désulfater ces fucanes en utilisant une résine échangeuse de cations. L'UA a été neutralisé avec de la pyridine, puis lyophilisé. Ensuite, les sels de péridium issus des fucanes ont été dissous dans le DMSO anhydre et du méthanol. Après chauffage et agitation, donc on ajoute 5 ml d'H2O, neutralisé et dialysé en utilisant une membrane de coupure de 1 kilo dalton et lyophilisé.
Le contenu du groupe sulfate résiduel a été vérifié par spectrométrie de masse à plasma induit. L'analyse de ces fucanes récupérées a été utilisée, a été réalisée en utilisant la GCMS, l'infrarouge et l'ARMN pour déterminer essentiellement la position des sulfates et les liaisons glycosidiques avec ces fucanes. Les résultats obtenus montrent que le rendement était de 5,45% dans les sucres neutres qu'on peut voir qui dépassent les 50%. On a aussi les sulfates qui dépassent les 22,51%. La composition en ose neutre montre que les fucoses sont majoritaires avec 44,6%, suivi du galactose à 34%. On peut observer aussi l'apparition d'autres sucres, à savoir le glucose, le rhamnose, le xylose et le mannose en petite quantité. L'analyse infrarouge nous montre à peu près les fonctions qui sont présentes. Donc, on note un OH des sucres à 3390 cm-1. Donc, on peut voir aussi la fonction CO des acides uroniques. On peut voir la fonction sulfate qui est importante, la liaison avec l'oxygène. La même chose, le groupement sulfate. Ce qui est important ici, c'est le groupement sulfate et leur liaison avec le carbone des fucoses. Ici aussi, on peut voir les esters sulfatés à 840. En ce qui concerne l'analyse spectroscopie ARMN, qui est très importante pour à peu près comprendre la structure de ces fucanes sulfatées, on note au signal 535 ppm un proton anomère pour la alpha-L-fucopéranose et les protons de CH de carbone O substitués. On voit aussi à 42, au signal 42 ppm un H4 de 4 O substitué, un proton du cycle H2-H5 au niveau de 404, et les protons méthyliques de H6 du L-fucopéranose. L'analyse de liaisons glycosidiques par GCMS après méthylation nous montre bien évidemment qu'on note trois différentes liaisons, soit avec un 1,2, un 1,3 ou un 1,4. On voit qu'il y a un diméthyl et un méthyl. Ce qu'on peut observer aussi, c'est-à-dire les fucanes sulfatées, c'est au niveau de 2,4. Le fucane désulfaté, c'est au niveau de 2,4 O de diméthyl. Ça veut dire que la position des sulfates, soit elle est en position 2, soit elle est en position 4. Mais majoritairement, quand on voit au niveau de 4 O méthyl fucane, c'est-à-dire on voit 19 fucanes désulfatés, ça veut dire que la position majoritaire des sulfates est en position 4. On passe au deuxième volet qui est activité biologique. On commencera par les activités antioxydantes. Donc l'activité antioxydante de ces fucanes sulfatées sur le radical des BPH, on remarque à 1,5 mg par millilitre une inhibition à 100%, inhibition totale de ces radicaux. Pour le deuxième test réalisé à la même concentration, on voit que 62% d'inhibition de blanchiment de bêta-carotène. Pour le pouvoir réducteur du fer, à 1 mg par millilitre, on n'a que 25%, donc il n'est pas trop réducteur. Mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'il est plutôt chélateur que réducteur à la même concentration. Donc on note 92% environ. Le dernier test réalisé sur les fucanes, c'est le test de détérioration de l'ADN. Là où on a mis ces fucanes sulfatées en présence d'un ADN plasmidique à raison de 0,5 g par puits, en utilisant deux concentrations seulement, 0,125 et 0,25 mg par millilitre. Après incubation à 10 minutes à température ambiante, on additionne le réactif de Fontan, donc qui est connu, c'est un oxydant. Donc après incubation, on passe à l'analyse de l'ADN sur gel d'agarose. Ce qu'on peut observer ici, quatre pistes bien visibles. La première piste correspond à l'ADN témoin, donc vous avez la forme circulaire, linéaire, et la forme super enroulée. Donc vous voyez très bien la forme native de l'ADN plasmidique. En piste 2, en présence seulement du réactif de Fontan, vous pouvez voir ici, bien évidemment, que les trois types d'ADN sont détériorés.
Par la suite, on passe aux pistes 3, là, avec présence seulement de 0,125 mg par millilitre de sulfucane. Avec le réactif de Fonton, il y a quand même un début de réparation de ces ADN. Ensuite, on passe à la piste 4, donc là, à présence de 0,25 mg par millilitre, qui est quand même, à mon avis, une faible concentration, quand même, une réparation nette des trois formes d'ADN plasmidique. On passe à les activités antioxydantes des extraits de feuilles de citrus. Donc, 102 extraits ont été utilisés pour 7 espèces. Donc, on peut voir ici qu'on a, bien évidemment, l'extrait aqueux et l'extrait méthanolique. On observe pour l'extrait aqueux que citrus limon pour le DPPH est plus active. Par contre, pour l'extrait méthanolique, on voit que clémentina est plus active. Par contre, pour l'ABTS et le pouvoir réducteur, c'est clémentina qui est l'espèce la plus active, que ce soit pour l'extrait méthanolique ou bien pour l'extrait aqueux. Pour l'inhibition du brunissement enzymatique par les feuilles, donc comme vous pouvez le voir, le brunissement est un problème majeur, bien sûr, que ce soit pour la conservation ou bien pour la santé humaine. Ça touche les fruits, ça touche les légumes. Donc, ce brunissement est dû principalement à l'oxydation des polyphénols par des enzymes, donc à savoir principalement la polyphénol oxydase ou bien la peroxydase qui nous donne par la suite des pigments bruns. Ici, on a utilisé comme source d'enzymes la PPO et la POD. On a utilisé cinq espèces. Donc, vous avez le chou rouge, le chou vert, le cardon, la laitue et les épinards pour extraction d'enzymes. Donc le résultat, comme vous pouvez le voir, sur l'activité antiperoxydase, pour l'extrait aqueux, on voit que citrus clémentina est la plus active, que ce soit, pour toute, que ce soit l'origine, quelle que soit l'origine de l'enzyme. En ce qui concerne l'extrait méthanolique par contre, donc on voit que l'origine, quand l'origine de l'enzyme est le chou rouge et chou vert, on voit que le citrus limon est plus actif aussi pour les épinards. Par contre, pour la laitue, on voit que citrus aurantifolia qui est plus active, et pour le cardon, c'est le citrus aurantium. Pour l'activité anti-polyphénol oxydase, la même chose donc est observée. Donc pour le chou, l'enzyme du chou vert, donc on voit que clémentina est plus active. Pour le cardon et les épinards, c'est limon qui est plus actif. Et pour le reste, donc c'est aurantium qui est l'extrait le plus actif. Je tiens à signaler ici que pour les extraits méthanoliques, n'ont donné aucune activité sur la PPO. Je passe au dernier volet, qui est l'activité antioxydante et effet hypolipidémiant des extraits de rameaux et des feuilles de Ficus carica en hyperlipidémie expérimentale. Donc, pour l'activité antioxydante, on note que pour les trois tests utilisés, que les extraits de rameaux présentent la plus forte activité, que ce soit pour le pouvoir réducteur de fer, la BTS ou bien le DPPH. Ensuite, une étude de toxicité aiguë par voie orale a été réalisée sur des souris de type suisse albinos. Donc pour cela, quatre concentrations ont été réalisées, à savoir 100, 500, 2500 et 5000 mg par kilogramme. Aucune toxicité n'a été observée. Pour l'effet hypolipidémiant, donc je tiens à signaler que l'effet a été, l'hyperlipidémie a été induit par le triton. Ensuite, il y a traitement par deux concentrations, que ce soit des extraits de rameaux ou bien de citrus, par 150 et 300 mg par kilogramme. Par la suite, on a le dosage des lipides sériques après récupération du sérum et prélèvement d'organes, foie et reins pour une éventuelle étude histopathologique. Pour les profils lipidiques, je tiens à signaler que le lot numéro 2, qui est l'hyperlipidémie, qui s'avère induit par le triton, donc on voit une nette augmentation de ces paramètres lipidiques, le triglycéride total ou bien le cholestérol total. Par la suite, après traitement par les extraits de rameaux et de feuilles de Ficus carica, on voit une nette diminution de l'hyperlipidémie. La même chose a été observée pour les LDL, donc induction
de ces paramètres, augmentation et diminution après traitement par des extraits de feuilles, à savoir 150 et 300 mg par kilogramme, et le rameau. Je tiens à préciser ici que les extraits de rameau sont toujours plus actifs que les extraits de feuilles, ce qui confirme d'ailleurs l'activité antioxydante réalisée. Pour l'activité HDL, c'est le contraire. Après l'induction par le triton, on remarque une diminution de l'hyperlipidémie la diminution de HDL, du paramètre HDL pour le low control, et l'augmentation du bon cholestérol après traitement par les rameaux, les extraits de rameaux et les extraits de feuilles. Donc l'effet histopathologique du traitement par voie orale nous montre directement, donc c'est visible, elle nous montre que après traitement par le triton, on voit l'apparition des vacuoles lipidiques, et après traitement par nos extraits, savoir 300 mg par kilogramme de rameau ou bien de feuilles, on remarque la disparition de vacuoles lipidiques qu'on a observé déjà au niveau du triton. Donc ces résultats ont été valorisés, comme je l'ai déjà signalé, par des publications internationales en ce qui concerne la période doctorale. Donc on a 3 articles scientifiques publiés. Et pour la période postdoctorale, donc 6 articles ont été publiés, dont 4 publiés, 2 qui viennent d'être acceptés. Et 6 autres articles soumis et en cours de publication. Donc ces aussi travaux ont été valorisés à travers des différentes manifestations scientifiques, donc que ce soit nationales ou internationales, en nombre de 13. En conclusion, donc l'exploration de la flore terrestre et marine était et sera toujours la solution pour élaborer les futures recettes miracles des médecins et industries. Il existe peu d'informations sur l'utilisation des composés naturels dans le traitement de l'obésité chez l'homme et le mécanisme de leur action. Ainsi, il sera un large éventail d'études biologiques et cliniques. Il est suggéré que d'autres travaux pourraient être réalisés sur l'isolement et l'identification de ces composés par des techniques plus avancées. La clarification des mécanismes ayant généré ces activités nécessite davantage d'enquêtes. D'autres activités plus sensibles pourraient être élaborées à l'exemple de la gastroprotection et le cancer. Un projet qui est très très important, qui porte sur la fonctionnalisation de certains vecteurs utilisés actuellement en pharmaceutique, ainsi que l'étude de cinétique de relargage de tous les principes actifs élaborés et à l'actualité. En ce qui concerne le volet pédagogique, donc on pense à la proposition de nouvelles spécialités master et licence au sein de la faculté SNVST de Bouera, la création d'une formation doctorale d'ailleurs qui est en cours, et l'insertion de cette formation doctorale dans une école doctorale domiciliée au laboratoire 3BS, qui est actuellement aussi en cours. Avant de vous rendre la parole, Monsieur le Président, je tiens à remercier les membres du laboratoire 3BS, à savoir chercheurs, ingénieurs, doctorants et étudiants, particulièrement Monsieur et Madame Erodé, laboratoire de biologie végétale et ethnobotanique, chercheurs, ingénieurs, doctorants et étudiants, particulièrement Madame Pretel, laboratoire de glycochimie et reconnaissance moléculaire de l'Université de Montpellier, en particulier Jean-Louis Montero et Véronique Baragan, les membres de la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre de l'Université de Bouera, en commençant par le staff administratif et staff pédagogique, étudiants, enseignants, tout le monde de notre faculté. Je tiens particulièrement à remercier le responsable de centre d'impression, M. Khalif Lafoudi, qui m'a beaucoup aidé, que ce soit durant ma thèse de doctorat ou bien la thèse de post-doc. La secrétaire du décanat de la faculté SNV de l'université de Béjaïa, Madame Madi Mariam, et tous mes amis, sans citer les noms parce qu'ils sont vraiment nombreux et je les remercie beaucoup. Et sur ce, je termine ma présentation et je vous rends la parole, Monsieur le Président.